Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, je vous propose qu'on travaille avec un livre, celui de Nathalie Marthe, Le monde a absolument besoin de toi tel que tu es, comme tu es, pardon, je vais y arriver. Je vous mets la référence de ce livre en barre d'infos, pareil pour le jeu, je vous mets la référence aussi en barre d'infos, c'est pour devenir sage et heureux comme un chat, dont j'ai fait l'illustration. Et le Tanis et l'Oracle des Reflets qui sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique, dont vous avez pareil la référence en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, aucun tirage. Et on va commencer tout de suite alors avec le texte, un petit texte du livre de Nathalie. Hop, donc on a un petit texte plus axé sur le développement personnel, on verra pour la guidance et la voyance juste après. Donc on va en prendre un au hasard, on va le prendre au début, allez hop. Arrêt. Lorsque nous reconnaissons notre nature fondamentale, notre être profond, cette immensité et cet amour inconditionnel, les histoires qui se racontent sans jamais cesser, s'arrêtent. Arrêt sur image, analyse, explication, définition, interprétation, se dissolvent et tout s'éclaire. Voilà, donc on vous invite à vous reconnecter à votre être profond, votre être véritable, et de voir que à travers cette connexion à vous-même, à qui vous êtes pleinement, finalement le regard du monde autour de vous n'a plus de sens, n'a plus d'intérêt. Il n'y a plus que vous et qui vous êtes vraiment, qui a un intérêt. Alors, on va prendre une petite carte de sage et heureux comme un chat. Alors, le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qui se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. On va mettre la petite carte ici. Voilà, donc là, on vous invite à prendre du recul sur vos pensées et justement d'observer un petit peu ce mécanisme qui peut vous emporter. Donc à travers cette pause du mental, vous arrivez à prendre du recul sur la situation et de ressentir les choses différemment. Alors on va prendre 4 cartes avec le Lenormand, on aura un petit côté un peu plus prédictif du coup. On a la carte de l'homme, la carte du chemin, les poissons, du jardin. Ok, alors, j'ai laissé les deux cartes hommes, les deux cartes femmes dans le jeu, donc là on a l'une des deux. On a quelque chose qui nous pousse à l'action. Alors en fait ici avec les chemins, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a des choix qui s'offrent à vous. Vous avez des choix et avec la carte de l'homme, on vous pousse à l'action, à ne pas rester inactif, à faire votre choix, à choisir votre chemin. C'est peut-être en lien avec votre activité professionnelle ou avec des échanges, ça peut être des échanges commerciaux également, des transactions commerciales, de l'argent également qui circule, quelque chose en lien avec l'argent et peut-être avec le nombre, parce que même avec la carte du jardin, on a cette idée de nombreux, on ne rencontre pas une seule personne, on a tendance à rencontrer plutôt cette notion de foule avec le jardin. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la multitude qui va être présent pour vous le mois prochain. Donc ça peut être comment placer de l'argent, ça peut être comment dépenser son argent. On ne parle pas de petites sommes, là on parle d'une somme assez importante. Mais il y a un choix à faire, il y a un engagement à prendre, un choix à faire par rapport à ça. Il est possible aussi qu'on vous propose d'investir dans... Alors j'aime bien ce terme d'investir, hein, parce que de premier abord on pense à l'argent. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé, par rapport à la carte des poissons. Mais on peut aussi investir du temps, investir quelque chose dans son avenir par exemple. On peut investir du temps dans son avenir, on peut investir de l'argent dans son avenir... mais il y a un investissement qui se fait, c'est-à-dire que le terme d'investissement parle aussi du fait qu'on y met tout son cœur, hein, qu'on se
projette en fait pleinement dedans. Donc il y a une projection qui vous est peut-être proposée ici, puisqu'on a cette idée d'action, bien sûr, et de projection à travers peut-être un projet qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous pourriez entreprendre. Alors plutôt peut-être à plusieurs, ou en tout cas rencontrer des investisseurs, rencontrer des personnes qui sont en lien avec ce projet, organiser des rencontres également. On pourrait vous proposer d'organiser des rencontres qui sont en lien avec votre domaine d'activité. Ou tout simplement vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vous aider dans votre activité, vous aider dans vos investissements, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau de l'argent ou du temps par exemple. Ou il peut y avoir aussi une personne masculine qui va vous proposer un choix et vous, vous allez devoir eh bien, réfléchir aussi pour faire ce choix au peut-être meilleur investissement financier et à la façon dont vous souhaitez vivre. Alors, pour certains, et ça c'est une interprétation vraiment très intéressante, mais pour certains, ça peut parler aussi d'un investissement à la campagne, avec la carte du jardin. Il est possible que vous ayez que vous investissiez en fait dans une maison de campagne, par exemple, ou dans un terrain à la campagne. Voilà, donc là je sais que c'est très ciblé comme interprétation, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous la donne et on vous invite à faire ce choix-là si ce choix est dans la balance pour vous, hein, bien sûr. Voilà, alors on va regarder avec l'oracle des reflets. Ah, j'aime beaucoup cette carte. La carte de la danse. La carte de la danse, c'est celle qui vous invite à suivre le flow de la vie, le mouvement de la vie, sans se poser de questions, simplement écouter ce qui résonne autour de vous, écouter du coup comment ça résonne à l'intérieur de vous, laissez-vous bercer par ça et lancez-vous. On vous propose ici de vous lancer. C'est une carte qui est très en lien avec son instinct et avec son cœur également. Hein. Faites ce qui vous parle au plus profond de vous et en même temps ce qui résonne dans votre cœur. On est très très loin du domaine intellectuel, hein, par exemple ici. Par contre, on y retourne avec la carte du cheval. Alors la carte du cheval, je l'ai imaginée un petit peu comme le cheval de Troie. Donc on pense à un plan, on pense à quelque chose, on le mûrit, on l'intègre un petit peu, on prend vraiment le temps de le peaufiner dans les moindres détails, et puis il arrive un moment où on met l'intelligence de côté et on passe à l'action. On met le mental de côté et on passe à l'action. Et cette carte-là, avec ses miroirs un peu brisés autour, vous montre qu'une action qui a été préalablement pensée, vous voyez qu'il y a un grand soleil derrière, sera lumineuse, rayonnante et vous apportera la victoire. Donc pensez bien à vos actions et puis ensuite laissez-vous aller, lancez-vous, soyez dans le flow, dans le mouvement, ne vous bridez pas. On vous invite vraiment à ne pas vous brider, mais réfléchissez bien avant de vous lancer. Et finalement, ça va être le premier pas en avant qui va lancer en fait un petit peu votre projet. Alors on peut le voir dans tous les domaines, hein. On peut le voir dans le domaine professionnel avec un projet ou peut-être un nouveau poste, une nouvelle action dans votre travail. Ça peut être également dans le domaine amoureux. Vous avez bien réfléchi avant de vous engager et puis vous décidez de vous engager, de suivre la voie de votre cœur et de vous engager avec la personne avec qui vous êtes, avec votre partenaire de vie par exemple. Voilà, donc vous voyez, on peut vraiment le prendre dans tout un tas de contextes différents. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse tous bien fort, à très bientôt. Bye bye.